sucré. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis la seule lors de tout le pleu. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Alors ce soir, vous allez quand même étonner pourquoi la vie est seule aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis seule, j'ai décidé d'être seule pour donner un conseil à la jeunesse, surtout à la grande famille. Parce que là, il faut une personne aussi pour avoir ses idées, pour vous parler que voilà ce que j'ai connu quand j'étais tel jeune. Personne n'est vieille. On n'a jamais mis une vieille ou bien un vieux au monde. On est toujours jeune. On est enfant d'abord, bébé, puis on grandit, on devient jeune, on devient adulte, puis maintenant on devient vieille. Nous sommes tous venus sur la terre en mission, on ne sait même pas d'où on vient. La seule personne qui sait d'où on vient, c'est Jésus et sa maman Marie. C'est eux qui nous envoient en mission. Donc, je suis là ce soir pour parler. Écoutez-moi vraiment attentivement. Je suis là pour parler des beaux-parents. Quand tu es dans un foyer, que les beaux-parents ne t'aiment pas, que tu décides à les quitter, mais si déjà tu as les enfants ne t'appartiennent plus. Ils appartiennent à cette famille-là. Parce que quand les enfants les appartiennent, quand ils voient l'étoile des enfants, les beaux-parents sont obligés de les envoûter, de les gâter. Il y a des enfants, ils sont grands, ils ne sont même pas où ils sont. Pourtant, ils ne connaissent pas pied. Souvent, on accuse la mère, on accuse le père. Quand tu n'as pas une femme qui vit avec ton fils, si on t'a fait des enfants, prie le bon Dieu pour que l'enfant au moins devienne quelque chose. Souvent, ils vont lancer un sort à l'enfant. Il va venir voler sa maman. Il va venir insulter sa maman. Mes enfants, ce n'est pas bien. Et vous, les beaux parents qui faites ça, là, laissez aider. Si ton frère n'est plus en vie, l'enfant est toujours chez vous. Priez, bon Dieu, pour que les enfants la réussissent. Et il y a les grands frères, je sais bien, moi, la seule. Je vous ai déjà dit que je suis l'avocat des hommes. Je supporte les hommes parce que je ne veux pas que mes enfants divorcent. Je ne veux pas que mes filles traînent. C'est pour ça que quand ils sont avec une personne, je ne leur cache pas la vérité. Apprenez à respecter votre partenaire. Arrêtez d'avoir plein de copines et parler de la vie de votre copain chez tes voisines. Ce n'est pas bien. Il y a des copines aujourd'hui, si toi tu es la chambre parmi 2 milliards de femmes qu'on t'a choisies, il faut te dire que tu es la plus belle. Mais le riche, il ne faut pas attendre un riche seulement pour venir vers toi. Le pauvre même peut changer ta vie comme dans ce monde entier. Le pauvre n'existe pas. Il y a les 10 minutes. Tu peux le voir, il y a des gens qui vendent des pochettes, mais quand même, ils louent les petites maisonnettes, ils sont dedans. Il y a des gens qui ne font rien sur la terre, mais quand même, il est là, il peut aussi mourir comme tout le monde. Hein? Mais vous êtes à vous faire ton choix. C'est en faisant des choix, pas fini, personne ne te prend. Ben non, moi, je ne veux pas ça. Lui, il n'est pas de mon genre. Je ne veux pas ceci, cela. Mais pas fini, ils ne vont plus te faire quelque chose. Tu vas traîner là. Il y a des belles femmes, quand elles viennent me dire, la seule, trouve-moi un gars. Ton comportement que tu as sur toi, qui te fatigue là, Tu quittes dedans, tu vas voir un gars qui ne veut pas être heureux auprès d'un homme. Il y a des femmes qui ont de grosses voitures, qui ont des immeubles, mais qui traînent parce que le langage qui sort de leur bouche là, elles n'ont aucun respect. C'est à l'époque que les hommes n'ont pas compris qu'ils avaient vos calissons, qu'ils pilaient même vos foutous. Mais maintenant, mes enfants, ça ne peut plus le faire. On est déjà né. Un garçon est né garçon, femme est née femme. Mais pourquoi Dieu a décidé que c'est la femme qui soit en bas et puis que l'homme soit au-dessus? C'est parce que c'est Jésus qui a décidé ça. L'amour est quitté où? Toi-même, tu es là aujourd'hui, tu ne sais même pas où la parole sort. Tu ne sais pas dans quel corps la parole sort. Regarde la puissance de Dieu. On a le sang dans le corps. Mais tant qu'on n'a pas eu un malaise quelque part, on ne sent pas qu'on a un bras qui fait mal, on ne sent pas qu'on a mal à la tête. C'est Dieu seul qui a le comprimé de la terre d'une personne. Donc, aidez-nous à être tout bien. Toi, tu es un grand frère, tu es le DG de ce pays. Tu as tous les moyens. Ton petit frère, souvent, il est obligé de vendre, faire cabine. Ton petit frère, souvent, il est obligé de vendre des conneries pour pouvoir joindre au bout de ses idées. Mais il faut l'aider. Vous êtes du même ventre. Les doigts ne se ressemblent pas. Si Dieu t'a envoyé premier, c'est parce que tu vas aider tes frères. Mais faites comme Jean-Pierre. Jean-Pierre, paille, paille. Dis tango, tango, paille, paille. C'est le meilleur, ça. Un enfant de rien. Son grand frère, Guéillon, il lui a donné du travail. Son petit frère, Brice. Il a dit, tous ses frères, même sa pénisse, les derniers, eux tous, ils disent, comme ça, demain, dans ma retraite, je vais m'asseoir tranquille avec ma femme. Parce que quand tu gagnes que tes frères ne font rien, demain où toi, tu es à la retraite, tu n'as plus les moyens, les enfants vont rester en retraite. Moi, Jean-Pierre, ma maman, Mlaïno, et puis mon père qui, les deux ne vivent plus. Mais Jean-Pierre, il est le meilleur. C'est un enfant de rien, mais qui a le cœur, qui reçoit tout le monde. Et il est le fils. Je dis bien le fils de Madame la ministre Anne Loto. Il a le cœur de sa maman Anne Désirée Loto. Anne, c'est une dame qui ne sait pas discuter, qui sait agir. Surtout, si tu as marié deux femmes,
pour ne pas faire de papatouya dedans. Parce que c'est les deux moukouchions qui, toi seul, tu as deux choses, deux maisons que tu gères. Mais il faut les respecter. Il ne faut pas faire semblant de détester, de laisser la première et puis s'occuper de la deuxième. La deuxième, elle est venue te trouver, elle ne sait pas où tu es passé, elle est la première. Apprenez à respecter les femmes. Arrêtez d'insulter les femmes. Il y a des hommes qui se battent avec les femmes. J'ai un oncle, lui, quand il se bat avec sa femme, c'est un coup de tête. Donc, on l'appelle cobra. Le cobra, quand il commence déjà, sa femme s'échelle parce qu'elle va savoir qu'une de ses dents vont partir. Ça, ce n'est pas l'amour, règlement de compte où on saigne devant quelqu'un. Quand tu es déjà une femme, vous êtes de même père, même mère. Quand on dit arrivons chez Dieu là-bas, qui est chez Dieu là-bas? Qui a une fois allé là-bas? Tu fais le mal, tu payes ça ici. Rien ne se paye chez Dieu. Tout se paye sur la terre. Et regarde par exemple, prends exemple sur le sommeil. Quand tu es en train de dormir, tu te crois souvent à Paris, tu es en train de rouler dans les avions, tu te réveilles, ta même portail là, où il n'y a pas accroché là, c'est dedans que tu es encore couché. Donc rêve souvent là, ça trompe. Moi je veux la réalité. Tout ce que j'ai à dire aux parents qui ont des petits frères, aidez-les. Les enfants même grouillent. Quand je prends la voiture, je vais souvent, comment on appelle ça, dans la rue, quand je vois les hommes qui sont sous le soleil pour avoir seulement à manger parce qu'ils ne veulent pas attendre la main. Il y a un petit qui n'est pas loin de mon service, il a un pied, mais il est sur son béquille, puis il vend ses lotus. Quand je paye un paquet de lotus, souvent il dit, prends la monnaie, les 1500. Il dit, mais merci. Mais c'est décent. Il y a des femmes à Abidjan ici aujourd'hui, tu as trois enfants, puis tu es assis à terre, tu n'es pas paralysé, rien. À la mission, il dit, à quand il est le son, alors on est quand même le son, mais toi, on ne te donne pas. Parce que ce n'est pas normal. Tu peux t'asseoir, tu as une mais si tu as 1000 francs par jour, les enfants peuvent manger un demi-kilo dedans. Mais il ne faut pas te laisser aller sur la route comme ça. Hein? Les femmes aujourd'hui, c'est quand vous faites le mal, vous ne voyez pas ce que vous faites. Hein? Mais c'est que l'homme, il m'a fait ça. Quand on galérait là, on était dans souffrance, mais là, il a reçu un peu, il m'a oublié. Mais toi, à ton tour, tes parents qui sont vilains, qui sont vampires là-bas, le monsieur l'a fait hier. Hein? Mais comme il n'a plus rien, maintenant, il est devenu ennemi pour vous. Sinon, l'homme respecte ses beaux parents par rapport à ses propres parents. Tu peux être ma belle-mère m'a appelé. Et puis quand il s'en met sur le terrain agresseur, il est calme, il écoute la vieille. En partant, il fait ça, la vieille, 1500 000, 1500 maman. Quand la vieille est malade, lui-même sa propre, mais quand elle est malade, il va lui envoyer l'aide pendant 20 ans, il n'envoie pas réponse. Mais il faut que sa femme, sa belle-mère soit malade, il va traîner pour lui donner des idées. Donc cet homme-là aujourd'hui, quand vous voyez les hommes qui sont penchés à la rue, vous dites qu'ils ont tension, ils ont diabète là. Ceux-là, c'est les pensées. Parce que la femme se dit, maintenant, il n'a plus de pouvoir. Vraiment, il est obligé. Parce que quand tu es malade, qu'il n'y a personne auprès de toi, tu deviens autre chose. Moi, j'ai un oncle, il était avec sa femme. Elle lui dit carrément que, parce que si tu as fait erreur, qu'un drogué est fan de ta femme, tu n'as plus jamais voir cette femme-là. Parce que le drogué n'a pas les minutes surfaces. Quand il tombe dessus, la même 20 ans, il est là, lui, il ne change pas de face. Il y a des femmes aussi qui aiment ça. La femme dit carrément à son mari que quand ton petit frère me fait l'amour, je suis à l'aise par rapport à toi. Mais comment la tension du monsieur ne peut pas s'élever? Nous, les femmes, on n'est qu'à quitter dans ce monde-là. Moi, je ne vous supporte pas. Faites tout ce que vous voulez, ça goûte sur moi. Parce que je vais dans ma vie, là. Quand je vais mourir, pour que la télévision parle de moi, ah, la seule, vraiment, c'était une célèbre, vraiment, elle était coach. C'est ce que j'ai demandé à mes enfants. Et je ne travaille pas la télé. Souvent, on me voit, non. Je ne travaille pas la télé pour gaspiller mon argent. Je travaille la télé pour que plus tard, mes enfants vont dire au moins, on est assis sur le terrain de notre maman. C'est pour mon terrain que moi, je me bats. Ils sont assis là, même s'ils ont une baraque, personne ne va venir les déranger. C'est pour mes enfants, moi je souffre. Sinon, je suis une personne, je ne connais pas le luxe. Il y a des femmes aujourd'hui, peut-être une fois les gens les trouvent, elles ne peuvent plus dire bonjour à quelqu'un, elles ne peuvent même pas préparer. Moi je suis une célèbre, j'ai un maquis qu'on appelle ça, prends-moi par derrière, entre église baptiste, et puis en s'en vont, vous arrivez à la poubelle, mon maquis écrit là, prends-moi par derrière. Je fais la grenouille, moi-même je suis à la cuisine, j'ai des femmes souvent pour tout, qui lavent mes assiettes, sur ma sauce que je fais grande là. Je ne peux pas avoir trop de doigts dedans. Parce que c'est des responsables qui mangent chez moi. Et j'ai dit merci à M. Guipi et tous ses entours. J'ai dit merci aussi à moi. Sans oublier Pierre Gion, Pierre Paille Paille. Vraiment, et je vais aussi annoncer à tous les ouais. À partir de ce mois-là, le 16, c'est un samedi, j'invite tout le monde, tous les gens du Cavalier du Grand Guémont. Je les invite de venir voir ce que je peux faire aussi, parce que c'est une fête vraiment de joie. Quand tu es en vie, puis on fait ta fête, c'est joli à voir que quand tu meurs. Ce samedi 16, j'invite tout le monde, tous les gens de Kumasi qui me voient toujours sur la télévision, vous êtes tous invités. La nourriture, c'est gratuit. Mais quand vous arrivez, première fois, la première bouteille que j'ai mise devant vous, là,
C'est ce qui accompagne le plat, comme vous appelez. Mais si tu demandes deuxième temps, il faut payer. Parce que quand on dit on invite aussi, vous venez sans rien dans vos poches. Là. Vous allez manger bien, hein, parce qu'il y aura tous les plats. Ça, c'est vous faire cadeau pour soutenir Patrice. Monsieur, qu'est-ce que vous prenez? Je prends un vin, on vous offre. Pour pas un vin, là, fini, tu vois, on va avoir un deuxième. Deuxième, là, le vin est 2500, tu payes. Ça, deuxième tour, là, ça n'a rien à voir avec mon contrat. Et puis en venant, il ne faut pas dire que nous payons le transport. On ne paye pas le transport. Toi-même, tu te débrouilles, tu viens manger gratuitement. En partant, il faut avoir ton travail de commencer. Les gens de GESCO, en venant, venez avec votre transport. Parce que quand on vous donne une petite occasion, là, c'est là où vous finissez le frigo des gens, parce qu'il y aura du monde. Donc, je vous dis ça en même temps pour dire ah, la seule heure nous a dit, oh, chaque plat, le plat sera adoré même. Tu sais. En tout cas, moi, je suis cordon bleu. Je me connais en cuisine, vous allez bien manger. Il y aura Claude Romy, le DG général de tous les chanteurs, ouais, et le président de la jeunesse, ouais. Claude Romy, c'est vraiment mon invité. Il y aura aussi Kevin de Caï. Sans oublier mon petit Kevin, et Zopelé, on va venir soutenir ce monsieur-là. Donc, la seule heure, je suis toujours avec vous et je serai toujours l'avocat des hommes. Je dis aussi merci à la gendarmerie de Trois-Rouges, M. Kouloubali, qui est le chef de Trois-Rouges, sans oublier le CB de Trois-Rouges, sans oublier Baba, aux 16 ans qui sont mes enfants. Je vous invite tous, même si vous êtes occupés, mais vous pouvez vous faire remplacer, représenter. Moi, ça me fera plaisir. J'aime la joie, j'aime l'amour. J'adore qu'on me salit parce que Dieu dit quand on te salit, c'est que je suis prêt à te laver. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, quand tu vois un enfant qui ne reçoit pas, c'est qu'il a été impoli dans sa famille. Il ne respecte pas la mère, il ne respecte pas son père. Et c'est les deux là qui sont ton Dieu sur la terre. Tous les enfants qui ont eu des petits trucs qu'ils font, ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçue. Une mère ne doit pas discuter avec son fils. Mais il y a des enfants qui insultent leur maman. Il y a des enfants qui insultent leur papa. J'ai vu un monsieur qui a frappé son papa à Bobo, qui l'a botté même pas 3 ans après un policier. Si tu ne crois pas, allez-y à Bobo. Il préfère peut-être le nom du coin où le monsieur se trouve. Mais il dit, le vieux a donné une ordonnance d'aller payer les médicaments. Et les seuls ont dit, va payer, sinon le vieux va partir. Il vient, le temps qu'il va revenir, le vieux est mort. Et puis le botte, toi bâtard, c'est mon seul fonds qui reste avec moi. Tu m'as payé mes médicaments 48 000, puis toi tu es mort, frappé le vieux là. Mais aujourd'hui là, il est dans la roulette, lui il pleure. Ses amis, même les collègues, mais quand ils vont le voir, on lui donne même pas 5 francs. Il a oublié de mendier. Pour un jeune policier, on ne touche pas un père. Et on ne discute pas avec un père. Faites comme Mouna, la femme du DG. Faites comme Monsieur Barayko. Aujourd'hui, il a réuni plein de jeunes ici. C'est une manière de soutenir aussi les jeunes. Plus de 70 jeunes, on est dans sa société ici. Il dit, maman, c'est toi qui es la plus âgée, tu es notre mère. Voici ton poste, je te mets comme coach. Tout ce que tu veux, ma femme et moi, on est prêts pour toi. Le jour où je mets les guerriers, si vous ne m'enterrez pas, il y a des cercueils. Pour les guerriers, ça va m'arrêter pas, moi, ils n'ont pas frigo. Pour les guerriers, moi, j'ai fait 3, ils n'ont qu'à m'enterrer. Après, vous allez chanter votre chanson, vous avez l'habitude pour les cadavres. Sinon, moi, je ne compte pas sur. Je suis déjà assuré. Et aussi, j'ai dit merci à Zongo Kader. Guéry Paul, j'ai dit, vous êtes invité le 16 chez moi dans mon maquis, prends-moi par derrière. Et Do, mon seul fils, Do et ça, c'est deux femmes. Il a deux femmes, il a Odile, il a Cyprienne, ces deux-là. Vraiment, tu vois, Domé, on dit un Américain. Pourtant, il vient à la GESCO. Hein. Mais son sapement, tu ne peux pas. On n'a pas besoin de vivre dans un grand coin pour être propre. Quand tu es né propre, tu vas rester toujours propre. Donc, vous êtes tous invités. J'ai dit, Claude, vraiment, tu es mon invité d'honneur. Tu vas venir sur ma carrière avec 3 jeunes artistes que je connais, Kevin de Caï, le petit Kevin, puis Zopelé. Vous êtes invités dans mon coin. Bon. Aujourd'hui, j'ai laissé un peu pour un pas d'invitation. Maintenant, je parle des femmes. Quand ton mari sort ou va au travail, la première des choses, il faut prier. Ah, qu'est-ce qui se passe, chérie? Mais quand il appelle que le portable ne prend pas, parce que souvent, on ne peut pas communiquer dans les voitures. Et on ne peut pas communiquer s'il est dans un bus. Ça peut indisposer les gens qui sont à côté. Mais quand il arrive, la première des choses, tu chauffes de l'eau. Tu trempes ses pieds. Les mêmes chaussettes, tu les trempes. Vous ne voulez pas qu'il porte les mêmes chaussettes 2 fois. Tu les trembles, tu fais un petit massage à ton mari. Dans l'amour, il n'y a pas par là. Même s'il était fâché contre toi, mais tu entends le remonter. Par toute la journée, les pieds sont restés dans la chaussure. Il faut faire ça. Je vous ai bien dit que moi, j'ai marié un pilote. Je fuis la femme d'un pilote, M. Niankouri. Je fuis la femme d'un pilote, M. Niankouri. Je suis sa femme. Mais les beaux parents me disaient, qu'est-ce que tu vas foutre avec cette brouillon-là? Cette femme-là, elle ne connaît pas papier. Toi, Niankouri, tu conduis à vie un peu, tu as une femme comme ça. Dieu, non. Amenangonia, oh ma, bien.
ogbo kami donc oni bobo yo oh yo se bok me on yena ko dani o kami mani amine e gba pe en même temps donc c'est de ça il s'agit amine ngono ni bogo gi na ngono ni sukuru mi oni na ngono ni bogo yo ni sukuru mi me anon zakari na to nyakuri asi amine na ngono mari lo ni a o ma ka o e no gbo kami o ri ah ça c'est pas bon à faire attends lui c'est que c'est son choix. Si ton prochain t'a fait quelque chose qui ne te plaise pas, tu l'appelles de côté. Ah, vraiment, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais quand tu boudes là, c'est le sorcier qui boude. Quand les gens parlent qu'il y a des sorciers, le sorcier n'existe pas. C'est la jalousie qui fait la sorcellerie. Parce que si tu sais que tu ne peux pas atteindre la sorcellerie, tu es obligé de faire la sorcellerie. Tu sais que tu ne peux pas atteindre ça, tu es obligé de faire ce que tu là. Est-ce que tu as vu? Le sorcier chez moi, il n'a pas de pouvoir. Le sorcier, ta mère peut être sorcière, ton père peut être sorcier. Mais si ces deux-là, toi, ton homme que Dieu t'a donné, personne ne peut te prendre. Si tu as confiance à ton Dieu, que chaque matin tu l'embrasses. Moi, j'ai demandé à Dieu dans ma vie, il dit Dieu, la radio m'attend ma voix, m'a jamais vu en personne. Pourquoi Dieu, je vais aller à la télé? Dieu m'a demandé, tu veux vraiment aller à la télé? Mais l'endemain, quand j'ai appelé, grâce à un de mes fils qui était avec Ahmed Baraïko, quand j'ai appelé, paye antenne, il dit, mais maman, tu vas aller là-bas? Moi, j'ai travaillé avec le ministre, ses frères, je suis de la maison. Quand Père Antenne a appelé, ils m'ont appelé ici, on dit bon, faut venir, je viens, on dit, en ce temps, le blanc était là, il dit, maman, on te fait, faut essayer avec le Fafa. Mon concours a marché comme ça. Et j'ai dit merci, merci, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, vraiment, sans oublier Do Ernest de Jesco. C'est un enfant, il a le grand respect, il sait prendre les gens. Parce que moi, ma vie, quand tu me respectes, je suis d'accord. Mais je n'aime pas foutre, c'est ça, Antoine Koulan a dit, elle dit, quand tu marches sur moi, je marche sur toi. Tu m'insultes, je t'insulte. Parce que souvent, les gens parlent, les gens, parce qu'on a la télévision. Elle passe à la télévision et puis elle vient dans Glogor pour prendre son maquis. Moi, elle ne passe pas à la télévision pour gaspiller. Je passe à la télévision pour faire quelque chose de même pour mes petits-enfants. Si moi, mais je n'ai pas reçu, il faut que les petits-enfants, moi, sachent que voilà le film que notre maman faisait avant. C'est comme ça. J'ai dit aujourd'hui qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont fait des choix. Parce que ces femmes-là disent quoi? Non, ce n'est pas de mon genre. Je ne veux pas. Je veux un boss. Le boss s'est occupé, ma fille. C'est mieux de commencer à être pour toi un peu, vous allez sortir. Sinon, on n'est pas riche, on apprend à être riche. Quelqu'un qui vient, c'est que c'est Dieu qui est venu. Mais s'il vient vers toi, dès le départ, il ne faut pas mettre l'argent devant. Ah, moi, je vais aller payer mes chiens. Je dois aller au salon d'abord. Tu ne le connais pas d'abord. Inviter une personne dans un restaurant, c'est pourquoi on se change des idées. Bon, ma chérie, je veux qu'on cause, on ne pas causer à plein air. Tu es là déjà pour une minute qui vient de te connaître. Tu as payé mes chiens, mes kiffes. Ça fait combien? 400 à 500 000. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. En cousin, j'ai ma camarade là, vraiment. On dirait qu'on peut aller un peu ensemble. C'est comme ça. Il ne faut pas demander à un homme. Laisse que l'homme même t'offre. Quand il t'offre, c'est bon. Ton mari, aujourd'hui, toute la journée, il est dans le climatiseur. Il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que les enfants ont mangé à la maison? Comment ma femme aussi va être? Mais toi, ce n'est pas ton problème. Souvent, le mari arrive, c'est lui-même qui se lève pour aller fouiller dans la cuisine. Pour voir s'il n'y a pas à manger. Ah non, je suis désolée les femmes. Dites tout ce que vous voulez sur la seule. Moi, je m'en fous. Et je m'en moque. Insultez-moi. Au contraire, je suis célèbre dans le grand marché de sucre. Et puis quand moi, et c'est elle, hein, même les bakamam gars, la vieille choco. Moi, c'est ce que je cherche. Que tu me salues. Oh. Tu n'es pas dans ma douche pour que je passe mon épingle sur toi pour me laver. Mon savon, tu connais. Mais entre mes salissants et mon savon, c'est mélangé avec l'acide. Ça enlève la saleté encore sur moi. Donc, les femmes là. Surtout, je vais parler aussi des femmes de marché gourou. Je cause souvent avec vous. Comment vous pouvez laisser un mari à la maison puis faire un mois à la GESCO, au marché. Marché gourou. Non, à la nôtre marchandise. Vous avez vos marchandises. Donc, Pinke là-bas, qui a gardé ça? Ça t'attend, il a un mot de bas-ventre. Il ne peut même pas se redresser, pareil, tu es dedans. Pourtant, c'est dans sa maison que tu es. Si tu as fait deux jours, tu rentres un peu à la maison. Tu vas voir au moins la santé de ton mari, mais tu es fier même à me dire, nous, on ne peut pas laisser nos bagages, on a des chambres ici. On vous mourou au marché là-bas. Sinon, il n'y a pas de cuir qui va rester un mois. On vous mourou. Mais respectez l'homme, parce que l'homme, ses parents vont venir à la maison. Les amis vont venir. Et puis, la maison est glacée. Madame, elle est au marché. Madame, elle est au marché. Fais demi-tour un peu. C'est lui qui a grillé pour te donner ton fonds de commerce. Mais si lui, il ne te sent pas auprès de lui, vous pensez que tout c'est l'argent? La simple parole, quand tu te couches auprès de ton mari, chérie, ça va, et ta santé. Le monsieur est remonté. Quand tu vois qu'il y a des hommes qui sont sous là, il n'y a pas de sous là sur la terre. Moi, je ne bois pas, moi, la seule, mais je m'en désenterre. Sinon, je ne prends pas de l'alcool, mais je m'en désenterre. Est-ce que tu vois?
Mais vous êtes là, le monsieur arrive, tu vois qu'il est tout saoulé. Parce qu'il vit beaucoup de choses, il ne veut pas discuter avec toi. Chaque fois pour venir à la maison, mais il a peur de rentrer. Vous êtes qui, puis les hommes ont peur de vous là. Vous êtes qui? On dit l'homme, on n'a pas dit la femme. Si c'était comme ça, les femmes, Jésus allait descendre tout le monde femme. Mais il n'avait pas fait de partie. Il dit, moi Jésus, je ne pourrais jamais descendre. Vous n'allez jamais me voir à l'œil nu. Mais par les hommes, ce n'est pas un homme que je vous montre que je suis là. Non, c'est l'homme qui est Dieu. Savoir parler à ton mari, savoir parler à ses parents. C'est eux qui ont mis les enfants au monde. Parce que toi, tu allais prendre ton huc, mais à chaque soir, tu mets dans ton trou là. Ce n'est pas tous les pines, il y a des pines qui ont torche. Quand il éclaire là-bas qu'il y a quelque chose, il ne va plus dedans. Il faut aimer l'amour naturel. Quand c'est naturel, il n'y a rien de temps. Mais ceci, je vais te parler aussi de Ella. Ella, elle a sa vie, elle connaît son papier, elle travaille à l'hôpital, mais elle a son maqui, qu'on appelle sa grand guitare, ça, la Jesco. Elle vend ses boissons, elle vend tout ce qu'elle a consommé. L'homme ne dit pas à l'homme d'avoir peur de rentrer chez lui. Vous ne donnez pas l'envie de l'homme. Tu vois qu'il a trop d'amis, mais il veut passer sa journée pour que demain, si Dieu l'appelle, il va partir. Mais vous indisposez les hommes. Il y a des hommes, quand ils sont ici, même quand il y a de la visite, monsieur même est gêné parce qu'il sait que si je lui dis un mot là, elle va me répondre mal. Ma soeur, si quand ça ne va pas, la champion colle, ni TCB bord, il faut quitter. Il ne faut pas indisposer enfin les gens. Mes enfants, les enfants garçons là, je vous ai déjà dit que si vos femmes vous emmènent là, couillez à côté. Là-bas, il n'y a pas de rangement. Parce que les spermes sont lourds. C'est à peine 2 kilos dans le corps. Hein? Parce que quand on ne verse pas quelque part, tu les vois matin, ils sont là. Le monsieur marche, mais puis il se lève ses épaules. Souvent, il s'arrête, il écarte ses jambes. Parce que quand t'esprit aussi a trop supporté ça, t'esprit devient bombé comme ballon de Drogba. Donc, respectez les hommes. Soyez tranquille, soyez respectueux. Les beaux parents, quand ta fille en parle avec son mari, moi, la première des choses, appelle. Il faut appeler ton beau. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est lui qui veille sur ta fille. Quand elle est mariée, c'est lui qui paye les premiers. Il faut être reconnaissant, les beaux parents. Il y a les beaux parents. Aujourd'hui, quand ça ne marche pas pour toi, tout le monde te déteste. Alors qu'avant, quand tu viens et des sacs, hey, il est venu, oh, ah, bonne arrivée. Ça ne vient pas de votre cœur. C'est un cœur noir. C'est un cœur qui n'est pas correct. C'est un cœur qui est traître. Il faut être ouvert dans la vie. Je dis merci à ces groupes qui m'écoutent. Surtout les femmes ont commencé à comprendre. Sinon, au départ, oh, on s'en fout. Elles nous insultent. Aujourd'hui, il y en a qui disent merci, je vais prendre photo avec toi. Parce que ce que tu dis, c'est de la réalité. Si ton mari a eu plein d'enfants dehors, mais s'il avait un enfant dehors, qu'il est venu te dire, chérie, excuse-moi, j'ai mal fait, qui s'est mis à genoux, il faut le pardonner. Récupère l'enfant seulement. Quand tu vas commencer à aimer l'enfant là, tu verras qu'il aura la paix dans la maison. Mais parce qu'il a fait enfant, j'ai une tante qui m'a dit, comme son mari a fait enfant, une femme burkinabé, elle ne va plus coucher à Épine de Burkinabé jusqu'à quand elle va mourir. Elle a dit à son mari, prends ta chambre, elle pine, ça, pine comme ça, là. Moi je ne prends plus ça. Elle n'a pas couché à son mari pendant 20 ans, mais pas fini, c'est elle qui est. Mais la fille qui est burkinabé, qu'ils ont fait là, elle est devenue expertise de l'école. Donc il faut te dire que moi, parce que je ne peux pas être à table avec mon mari, on est à l'aise, et l'enfant qui est là-bas, on ne le voit pas, on ne sait pas comment il vit. Tu viens prendre ton mari là, voilà la clé aujourd'hui. Tu récupères l'enfant, chérie. Elle n'est qu'à venir à la maison avec l'enfant. Tu as fait ça, tu as tué le cœur du monsieur. Maintenant, il ne va pas rentrer ici. C'est chez toi, viens ma vivre là, c'est devenu un règlement de compte. Tu vas pas quand même le commander, il est libre. Si toi tu ne veux pas donner, on donne l'autre côté. Il pourra jamais dire à une femme, il faut avorter. Parce que quand les enfants sont des demi-pères, les demi-sœurs même là, c'est là on va voir, il y a ministre dedans, il y a préfet, il y a quoi. Toi tu as fait dans la maison, mais demain les enfants seront avortés. Et puis les enfants du Dieu là, ils vont s'occuper. Donc il faut te dire que quand il y a la réalité là, vous tournez. Moi Dieu m'a donné ce don là, je vous ai dit, je ne suis pas allé à l'école. Mon nom, il ne s'est pas écrit. Ce n'est pas écrit mon nom. Mais j'ai vu mieux. Parce que je ne dérange pas quelqu'un. L'émission que je fais, tu vas fuir dans le monde. Et là, quand les gens viennent dans mon maquis, un coup, ils mettent les portables. Et puis on demande aux gens qui sont en France. Tu connais la ville? On dit, oh, qui ne connaît pas la seule là? Où je n'ai pas encore vu, hein? Mon nom est dehors là-bas. Donc, il faut te dire, pour reçu là, on n'a pas besoin d'aller voir un marabout. L'heure est dans la main de Dieu. Tu peux mettre dans une voiture qui va faire accident. Tu es tout le même, puis toi tu peux sortir parce que tu n'as pas les mêmes jours qu'eux. Il faut prier souvent. Moi, c'est rare que j'aille à l'église, mais je crois mon Dieu, je partage beaucoup. Je suis allé un jour à l'église cathédrale, j'étais assis là, puis il dit, hé Seigneur Jésus, non, tu m'aimes vraiment, je suis ta maman. Hier, tu m'as envoyé quelqu'un qui m'a couillé là. Non, il m'a fait du bien. Voilà une femme qui ouvre ses yeux. Oulala Seigneur, pardonne-la, c'est pas ce qu'elle fait. Il dit, hé, le banc est long, hein. Chacun est venu pour sa prière. Moi, ma couillée, il y
J'ai dit, Jésus, je lui dis merci si le monsieur peut repasser. Par exemple, pour ceux qui l'enlevaient dans cette tête trop bouchée. Je lui dis merci. Toi, tu es assis là-bas. On n'a qu'à me pardonner. Il faut prier pour toi. Après, toi, tu as tué quelqu'un. Tu as découpé les gens. Tu es venu demander ton pardon. Là. Pour moi, je sais que c'est un pardon propre. Parce que je veux que le monsieur, je touche le bouton encore. Il va aller la couiller. C'est le couillement qui fait parler de Dieu. Et toi, tu te plains qu'il fait, Seigneur, écoute, qu'est-ce qui se sent encore eh. Même on peut se battre ici. Hein. Ban est long. C'est pour ça que tu te remis. Eh, qu'est-ce qu'on peut faire là? Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il a poussé à dire de... Madame, je suis de tous les plaidés. On n'est pas la même chose. Ban, c'est ça, ils ont fait. Ils ont 100 personnes qui s'assoient dessus. Si pour moi ça te gêne, tu pousses. Mais Jésus est partout. Moi, je dois parler pour Jésus. Je lui dis merci. Donc, pourquoi tu te plains? Seigneur, pardonne-moi. Toi, pour toi qui es chargé sur toi, il faut décharger. Donc là, selon, disent que je tiens encore toujours pour la fête, là, c'est le samedi. J'invite tout Yvan TV, soyez là. Vraiment, on va soutenir la personne. La mort l'a échappé. On doit vraiment dire merci à Dieu ce jour-là. On sera là du matin jusqu'à 16h. On va arrêter la musique parce que je suis entre deux cités. Souvent, il y a beaucoup de retraités qui se reposent. La musique ne va pas continuer jusqu'à le soir. C'est à partir de 16h. Vraiment, voilà le problème. Donc, voilà. Je suis toujours avec vous. Vous allumez tous les vendredis. Je suis toujours en direct avec vous. Avec le 209, la cellule au top. Merci et merci à tous mes enfants. Sans oublier Gay de BAE. Je lui dis Yako qui se porte bien. Lui qui est toujours à m'écouter. Merci aussi à Odette, à la femme de mon frère et sa soeur Sylvie. Je leur dis beaucoup merci qui sont tout le temps près de moi. Et sans oublier Lydie, qui est ma patronne de la cuisine, qui fait mon marché. Je dis merci à ces personnes-là. Donc, je n'ai fini un peu. Vous avez écouté un peu. Merci.